On est arrivé à l'aéroport, on a fait l'enregistrement de nos bagages et on a passé les douanes. Ça se peut que je parle vraiment pas fort parce que je suis fatiguée. Et c'est ça. Puis là, ben, on a encore une heure et demie à attendre, c'est pas trop pire. Une heure et demie? Oui, moi. Voilà, 35 minutes, on embarque. Non, on embarque pas, il commence à appeler dans 35 minutes. Bref, fait que c'est ça. Fait que là, on va se trouver quelque chose à manger. Puis c'était ça, babe. Fait qu'on se parle. Ciao, là. Ça fait une marche. Hasta la vista. C'est quoi? Hasta luego, au Québec. Ciao. Ciao. Vraiment humide, là. Je suis dégoûtante. Ma qualité doit être vraiment atroce aussi. Fait que c'est vraiment drôle dans notre autobus. Dans le fond, j'avais vraiment envie de faire pipi. Puis comme là, ça, la toilette était bouchée, ben elle était pas bouchée. Aïe, je suis fatiguée. Il y avait un peu de poignée, genre qu'on pouvait pas y aller. Puis ben dans le fond, il y avait un monsieur en devant de moi qui était comme là, on veut aller faire pipi, nanana, je veux des toilettes. Puis c'était vraiment drôle. Puis finalement, la madame m'a emmenée dans des toilettes, genre que j'avais fait d'attendre tout l'autobus juste pour moi parce que j'avais envie. Puis après ça, on est parti, puis comme on a tellement rien que le monsieur, il nous a payé une bière, on a parlé avec genre plein de monde, fait que c'était quasiment genre plus nice, tu sais, comme de la partie. Là. Bref, j'ai dit tellement n'importe quoi, je suis fatiguée, puis j'ai un petit peu bu. Fait que c'est ça, puis là, quand on est arrivé à l'hôtel, on débarque de l'autobus, puis on marche, puis on est genre yeah! Puis là, genre Bruno, il est comme hey, on a oublié nos valises. Malaise. La première chose qu'on fait, c'est qu'on oublie nos valises. Fait qu'on est retourné chercher nos valises. Et j'ai l'impression que je suis noire entre les yeux. Puis c'est ça. Fait que là, on a emmené notre bière, puis on est en train de s'enregistrer. Fait qu'on va vous montrer la chambre qu'on va arriver, puis on va aller visiter un petit peu le site, même s'il fait super noir, parce qu'on est arrivé le soir. Il y a à peu près 8h09, j'ai pas regardé, mais il doit être à peu près 7h là. Donc voilà! Et la chambre est tellement belle! Je vais vous montrer un peu. On a vraiment un grand lit, je me rappelais pas d'avoir choisi ça, mais bref. C'est vraiment beau. Nos petites serviettes pour demain. Et on t'entend dire des mauvais mots. C'est fou le beau. Je sais pas si ça donne sur quoi la vue. Je pense que ça donne genre sur la piscine ou sur d'autres resorts. Bref, on peut pas vraiment voir. Ça donne sur la piscine. Fait que c'est ça! Trop mignon. C'est vraiment grand. Ok, deuxième jour à Cuba. Non, ben... Première journée, là, parce que hier on est arrivé et puis c'était trop noir pour qu'on voie quelque chose. C'est un petit peu délabré en arrière de nous. Je pense qu'on a les restants genre de l'ouragan. En avant, c'est beau, fait qu'on a juste à pas regarder en arrière. C'est, ils vendent beaucoup, mais tant mieux parce que j'imagine que s'ils vendent trop, il ferait vraiment chaud. Là. Non? C'est pas ma chambre est juste à côté de la piscine. Je sais pas si vous allez bien entendre. Oui, je te dis. Puis, c'est ça. Ok, on est vraiment. Là, on veut aller trouver comment aller à. Ah, c'est là le vrai chemin. On va aller passer en rêve. On va aller trouver comment passer pour aller à la mer. C'est tellement pas clair ce qu'il a dit. Mais c'est ça. Hier, on y était, mais il faisait vraiment noir. J'avais peur. Fait. On peut rentrer. Check, tu sais, je t'ai dit là-dessus. Moi, je veux jouer à ça. Ah, c'est fou le beau. Fait que. Non, je vais jouer au jeu. Ouais, on n'a pas vu, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Fait
OK, on se reparle tantôt.